Je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Les yeux bien ouverts, Blazkowicz. Et tu fais le guet. Retourne dans la cabine et coupe l'alimentation du moteur 6, vite! Va voir dans l'armoire à outils, t'as besoin d'une pince coupante et de fil de fer. Jette un œil dans le compartiment de la conduite de carburant. La pince! Coupe la conduite de la gueule! Au point, capitaine, mais je perds de l'altitude. Faut qu'on lâche du lest si on veut pas faire un plongeon fatal. Va vite dans la soute. J'ai une guerre à gagner. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Aidez. Mon tour 1, vous me recevez? Utilise cette trousse de secours, vite. Quand tu joues, espèce d'abruti. Hé, Condor 9, ici vos tours 1, écartez-vous un peu. Négatif, Vautour 1. On va relâcher un berce à cause du roulis. Faut qu'on brise la formation et que vous nous fassiez de la place, Fergus. Affirmatif, Randall. Eh hey, merde! Blazko, rentre au radar! Tire le levier là-haut, près des voyants lumineux! Merci, capitaine. Vous êtes dans un sale état, Condor 9. Je vois de la fumée. Fuite au niveau des gouvernails. Aileron frise HS. Ouais, j'ai l'impression de piloter un frigo en béton. Merci, Fergus.
9. Répondez, Condor 9. Merde, ils transportent des troupes. Condor 9, répondez. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est? Soldat Wyatt, 102e aéroporté. Ok, mon gars, ouvrez bien vos oreilles. Bon, vous voyez le manche du pilote? Je le vois. Bien, il faut que vous l'attrapiez fermement à deux mains et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas, il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Bien reçu. Je crois que ça fonctionne. On se stabilise. Ok, soldat Wyatt, vous allez faire une dernière chose pour moi. Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu! Blazkowicz, ouvre la porte du cockpit. Tu devras... T'es prêt? C'est parti! Capitaine. L'Asie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Fergus, où t'en es de ton côté? Blazkowicz, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hé hey, Wyatt, allumez les lumières. Blazko, est-ce que tu la vois? Wyatt, dis-moi ça vite. D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Thank you.
couché. J'aurais dû tuer ce type bien longtemps. On a une mitrailleuse dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture ? Thank you.
avancer. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut.
Je tire mon chapeau, Blazkowicz. On a mi-chemin sur la paroi. On sera bientôt à la base. Retrouve-nous en haut. Hé, soldat Wyatt, j'avoue qu'on a une vue magnifique d'ici. Mais vous allez me faire le plaisir de vous bouger le cul et de monter cette putain de corde.
main, je vais vous aider. Soldat Wyatt, merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là ? Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué et fou allié, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch, sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent, et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route, allez! Eh ben, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout! Une bonne équipe, comme un père et son fils. Blaskowitz, Gatz, Benson, notre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Vous m'en savez ? Sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, tout est foutu. Allez, frappez. C'est terminé. On l'a fait ! Par ici ! Retenez-les pendant tout ça, tiens de couverture !
s'approche d'une sorte de cour. Fait mieux pour buter ces nazis. Beau travail, capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Blaskowitz, tu nous y rejoins. En route, mon gars. Impossible de faire bouger cette poutre.
On est coincé, Blaskovic. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. D'accord. Croyant, Anne Barker. Je suis protestant. Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord, oui. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi, vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. Eh ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Le banc! Le blondinet! À vous! À ton tour, Blaskovic! Je te tiens! Ça devient ridicule! J'ai les pieds cassés! Où est-ce qu'on est? Ah, y'a des cendres en dessous! Ah, y'a un paquet de cendres! Hé, hey, Wyatt! Essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là! Vite! Vous voyez ces tuyaux? Ils sont reliés à ce boîtier de commande. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que c'est un énorme incinérateur. Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte! Coupez-les, bougez-vous! Merde! Essayez de passer! Allez! On est foutus! Désolé, je suis vraiment désolé! Je sais pas ce que je fais. Laisse comme vite, ouvre la clé! Ça commence! Dépêche-toi d'ouvrir cette porte! Blaskovic, hé, vous avez dit ça. Encore ? Affirmatif. Les incinérateurs sont éteints. Vous voyez comment ouvrir la porte ? J'ai vraiment pas envie de moisir ici. On peut pas l'ouvrir de ce côté ! Attendez. Je crois que j'entendais pas, quelqu'un arrive !
Capitaine Blazkowicz, venez écouter ça. Oh. Oh. C'est pas vrai, c'est lui. C'est une touchée. Qu'est-ce qui se passe? C'est la gueule. Crevez dans la nuit, prochaine. Il a fait une attaque. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? Mes hommes morts au combat. Tellement d'hommes. J'ai perdu le compte. C'est une langue morte maintenant. Vous? Vous me dites quelque chose? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen corrompu. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. J'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Ne touchez pas, enfoiré! Mais j'aime bien les vôtres. Pas les siens! Ils sont déjà abîmés! Quel dommage! Aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profitera le plus à mes recherches? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder en direction de celui que vous voulez que je dise. Allez, capitaine, choisissez pour moi. Vous êtes têtu, capitaine Blazkowicz. Une belle qualité. En ce qui me concerne, je suis extrêmement patient. Je me demande qui l'emportera, votre obstination ou ma patience. C'est une tâche très simple. Regardez en direction de celui que vous voulez me laisser. J'attends votre choix. Oui. Un choix très astucieux. Un préservé. Des échantillons. Vous allez me sauver, pas vrai? Je sais que vous pouvez le faire. Hein? Le général Strass. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Ah!
Laisse-le. Nous sommes le très vieux roi, long village, le noble roi, grand Dieu, protège le roi. Allez, victoire, bonheur du roi, qui aime, crée, la pluie, et...